me rendre à mon pays, Haïti. C'est toi mon seul paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle. À Saint-Thomas, parce que mon père ayant participé à la guerre civile de Firmin et non Alexis, il a dû s'expatrier et aller à Saint-Thomas, où je suis né, le 19 janvier 1907. Je suis rentré en Haïti à l'âge d'un an, et j'ai vécu avec mon grand-père à la Lune. Mon grand-père était un homme doux, tandis que mon père était un violent. C'était le général Sanson. C'est pendant qu'il a fait la guerre des Kako, avec Maurice Zamon, il est rentré à Port-au-Prince. Je me souviens, j'étais gosse, et je suis allé le rencontrer avec mon cousin Philippe Bouin, au petit four. Comme toujours, il était à cheval avec son escorte. Il m'a mis devant son cheval, encore à l'époque, des cacos. Et je me souviens, petit, et le soir, on entendait le cri des veilleurs. Kiwi! Kiwi! Et ça me causait une peur effroyable. Maintenant, comme toujours, dès que ces gens rentraient à Port-au-Prince, on entendait les tirs, tout le monde était obligé de descendre de l'étage supérieur, en bas, avec des matelas qu'on mettait aux portes pour empêcher les balles de nous atteindre. J'ai vécu l'affaire de Ville-Marie-Homme. J'habitais chez ma tante, Madame Bouin, à côté de la légation de France, où Villebon s'était réfugié pour se cacher. Quand la foule est rentrée, nous étions sur le mur pour regarder ce qui se passait, et quand on l'a jeté de la fenêtre, il est tombé et la foule l'a pris et est sorti avec. Et le lendemain, sont arrivés les marines. United States Marines land in Haiti to battle Haitian bandits threatening destruction of American property, and native bandits quickly head for the hills. This puts immediate end to troubles in populated areas, but Marines prepare to drive into interior and rout the insurgents out. Les Américains avaient entrepris de faire la route Port-au-Prince-Cap-Haïtien, qui n'existait pas. Donc ils arrêtaient tous ceux qui passaient, et ils les mettaient au travail, et vous étiez obligés de revenir le lendemain. L'histoire prétend que la mère de Charlemagne Péral passait sur son âne quand elle a été aussi arrêtée et mise dans la corvée. Donc c'est ce qui a déterminé Charlemagne à entreprendre sa guerre. Et la guerre a duré pas mal de temps.
quand ils ont pris Charlemagne, Glass a commencé. Il a été remplacé par Batraville. Et à un moment donné, ils ont changé d'attitude. On a soulevé, pour ainsi dire, les chefs à qui on donnait du travail. Et ils ont tous été employés à Dauphin. Et c'est ainsi que la lutte a pris fin. Il y a eu des élections pour Borneau. Borneau a coopéré avec les Américains, mais il a su aussi les contenir d'après moi. How long were you stationed with the Marines in Haiti before going to Lagunas? I was out on the mainland of Haiti for over 5 years, patrolling and assigned to various other posts. Fighting bandits? Fighting bandits and doing other things. Uh-huh. Did you see very much of voodooism while you were on the mainland of Haiti? Yes, I have seen plenty of it. In fact, I've raided numerous voodoo temples. At one time, I've laid in the bushes over 5 hours before I finally decided to raid it. The voodoo ceremonies in Haiti were against the law, were they? Yes, they were considered against the law. But they went on nevertheless? Yes, they had them all, usually, of course, out in the country, away from all officials. Dancing and howling and whooping and various other things. In fact, sometimes it looked like they were very dangerous. Was the island of Lagunas considered a very dangerous post? Yes, it was considered very dangerous. In fact, they never kept anyone there over 6 months. The people were considered savages, and the place very unhealthy. Je suis né à Jérémy. Je donne la date, le 1er janvier 1918, vers l'âge de 9 ans, avant d'aller en pension à Port-au-Prince chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à la Lue, que j'ai lu firmé de l'égalité des races humaines. Comme j'étais né sous l'occupation américaine, j'étais sensible à la question de race parce que il paraît que on savait, on voyait, ils l'ont bien montré, qu'ils nous méprisaient parce que nous étions des nègres. Nous le rendions bien d'ailleurs parce que tous ces barbares du Mérine qu'on nous a envoyés, nous les trouvions tout à fait sauvages. Je suis né à Port-au-Prince le 2 février 1920 de l'union de M. Jean-Baptiste Farot, mon père, et de ma mère Francine Fontaine. En 1934, tous les gens jubilaient lorsque les Américains ont laissé le pays. C'est pour vous dire, n'est-ce pas, comment nous avons perçu l'occupation américaine, qui pour nous était une humiliation à mon âge. C'était une humiliation pour Haïti. Dans ma conscience d'enfant de cette tribu, des descendants de Tancrède et des descendants des Mangonès, chacun de cette tribu-là, que ce soit les Roumains, moi-même, Jacques Roumain, on était très intimes et l'existence de la plaine du cul-de-sac était une chose très chaleureuse pour moi. Et tout jeune, j'ai visité le Cap, ce qui n'était pas donné à tout le monde, parce que ma marraine était la sœur d'Oswald Durand, le premier gars qui a écrit en créole, a fait Choukoun. Et tu vois, toutes ces choses-là me donnaient un sens très profond de ce que c'est qu'un citoyen ici. Parmi les jeunes, Jacques était là pendant l'occupation américaine, où la famille des Roumains avait envoyé les enfants faire leurs études en Suisse. Et Jacques allait en Suisse, est très doué, très brillant, il a appris l'allemand, il a été en Espagne aussi, pour une raison X et Y, qui était qu'on ne parlait pas l'espagnol, déjà avant de retourner en Haïti. Et revenu en Haïti, il était le personnage très intéressé à être national, à être convaincu qu'il fallait rejeter l'occupation américaine, et il a été parmi les premiers à faire le texte de la création d'un parti communiste.